Bien, on va reprendre. J'espère que les gens ont bien compris qu'il faut quitter l'autre live et venir dans celui-là. Parce qu'en fait, j'arrive pas à relancer l'autre live facilement. Bon, on va commencer. De toute façon, ça les fera venir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le TD numéro 4 que je vous avais demandé de commencer à regarder pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça en une heure pour pas que ça soit trop chronophage parce que je sais que le cours a déjà été assez long comme ça. Il se peut que je ne corrige pas toutes les questions et c'est aussi volontaire pour vous en laisser pour réviser, pour bosser. Néanmoins, la correction que je vais vous montrer va être mise sur Moodle, bien évidemment. Alors si, attention, dans la correction que je vous montre, j'ai pas dessiné les trames. Donc je vais les dessiner en live avec vous. Il faudra vous servir et de cette vidéo et de la correction que je vous donne sur Moodle si vous voulez avoir la correction complète, quoi. Ok? Alors, je suis pas tout à fait prêt. Enfin, si, je suis prêt. On va commencer. Je mets juste en route Paint pour que je puisse tracer les trames. Je vous demande 2 secondes. C'est pas ça. C'est ça. Ok. Ok, comme ça. Ok, alors le TD sur le CAN. Donc le TD traite de la partie du cours de la semaine dernière. Ok, donc pas le cours que je viens de faire. Le cours que je viens de faire, je vous donne le TD ce soir ou demain et on va le corriger mercredi prochain à 10 h. Hein donc on va y aller. Vous pouvez prendre votre TD. Vous allez avoir besoin pour travailler du sujet de TD. Du document que je vous ai fait parvenir via Moodle, qui sont les fiches, les feuilles de avec les trames. Est-ce que je les ai là? Je les ai là. Je reviens dessus. Hop. Ces fameuses trames ici là que vous allez voir à l'écran apparaître. Vous allez avoir besoin papier, stylo pour pouvoir dessiner dessus, quoi. Voilà. Je vous laisse 1 minute le temps que vous récupériez, que vous preniez tous les documents. Le TD numéro 5, je ne vous l'ai pas encore donné, donc je vais vous le donner. Ouais, c'est les annexes, mais il y aura un vrai TD numéro 5 que je vais vous donner. Ok, on va démarrer. Alors, c'est parti. TD numéro 4, décodage des trames CAN. Première salve de questions. On a différentes trames à analyser. Donc on vous dit en effectuant une mesure sur un buscan automobile avec un oscilloscope, on a relevé trois trames présentées sur les documents réponses ci-joint. Une information importante, on vous dit qu'il s'agit de trames au format standard, donc la version A. Par contre, on ne vous dit pas si c'est du 1.0 ou du 2.0. Donc on va aller voir la trame numéro 1. La voici à l'écran. Alors, c'est un peu buggé. CAN L, CAN H ici, là. 3, 5, 1, 5 devait être bien sûr en face de la légende des ordonnées. Alors déjà, cette trame, on peut voir plusieurs choses. Alors, je vais déjà répondre à la première question là-dedans. Donc la première question était de remplir ces champs-là. Donc on va les regarder ensemble. Mais avant ça, on peut répondre tout de suite à la question, s'agit-il de CAN 1.0 ou de CAN 2.0?
2.0. Eh bien, il s'agit de CAN 2.0. Pourquoi? Parce que je vois que les niveaux de tension sont compris entre 1,5 et 3,5 volts. Okay. Donc 1,5 pour CAN low lorsque j'ai un bit dominant, donc un 0. 3,5 pour CAN high quand j'ai un bit dominant, donc 0. Et lorsque j'ai un bit récessif, donc un 1, j'ai bien 2,5 volts, 2,5 volts sur CAN high et CAN low. Okay. Sachant ça, CAN 2.0A, identifiant sur 11 bits, eh bien, il est très simple. Enfin, il est très simple. Je peux découper la trame sur les différents champs et les analyser. Alors, sur cette trame numéro 1, c'est facile. On vous a mis des pointillés pour séparer les champs. Donc, on va y aller. Le début de champ, le début de trame, le start of frame. Donc, début de trame en français. On peut également écrire SOF en anglais pour start of frame. Il s'agit de 1 bit dominant, c'est donc un 0. Je vous rappelle que ici c'est un 0. Et ça marque le début de la trame. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits qui sont ici. D'accord ? Les 11 bits qui sont ici sont le champ... Alors, champ d'arbitrage ou champ d'identifiant. Champ d'arbitrage, c'est pas tout à fait correct. Hein, parce que moi, je mettrais plutôt ici identifiant. Parce que le champ d'arbitrage comprend également le bit RTR qui est juste à côté. D'accord ? Je vous rappelle que le bit RTR signifie est-ce qu'on fait une trame de requête, dans ce cas-là RTR est à 1, ou une trame de données, dans ce cas RTR est à 0. Ok ? Donc requête ou données. Ici, on a un champ d'identifiant de 11 bits, alors on peut les analyser, on va les analyser ensemble, et je refais un petit bloc-notes, hop, comme ça, bit récessif c'est un 1, donc je commence par un 1, ensuite j'ai 1, 2, 3, 4 bits dominants, 0, 0, 0, 0, ensuite, j'ai deux bits récessifs, un bit dominant, un bit récessif, un bit dominant, un bit récessif. Un bit dominant, un bit récessif, un bit dominant, un bit récessif. Voici, en binaire, l'identifiant de cette trame. Pour la convertir en hexadécimal ou par paquet de 4, 0, 1, 1, 1, c'est 5. 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, pardon, c'est 3. Et ce qui reste, c'est 4. Mon identifiant est de 0x435. C'était la deuxième question, je crois. Voilà. Donc l'identifiant de cette trame est de 0x435. On revient sur les champs, donc j'ai les 11 bits de champ d'identifiant, ensuite ici j'ai 1 bit de champ RTR, j'ai ensuite 2 bits qui sont réservés et qui doivent être toujours dominants, qui sont R0 et R1. Et ensuite j'entre dans mon champ de DLC. Attention, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bits dominants consécutifs, je dois donc automatiquement avoir un bit de stuffing ici, qui va être à 1, un bit récessif. C'est pour ça qu'on me marque bit de stuffing à insérer. J'en conclus donc que cette trame ne contient pas les bits de stuffing. On a enlevé les bits de stuffing à cette trame. D'accord ? Donc je vais lire les bits comme ils viennent. Donc la DLC est de 0, 0, 1, 1, c'est-à-dire 3. D'accord ? Donc la DLC, elle est de 3 octets. Donc la donnée qui va suivre va être découpée sur 3 octets. Donc j'ai le bit RTR ici, j'ai les deux bits réservés B0 et B1 ici, j'ai la DLC, la longueur des données, data length code. Voilà.
Et ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai les données, ici, codées sur 3 octets. Donc, on peut identifier ces données. Premier octet. Alors, premier octet, j'ai un bit récessif, puis 3 bits dominants. Donc, un bit récessif, puis 3 bits dominants. Ensuite, j'ai deux bits récessifs, un bit dominant, un bit récessif. Deux bits récessifs, un bit dominant, un bit récessif. Donc, le premier octet en hexadécimal me donne 0x8 et 1101CD. Alors, on s'est arrêté au bit récessif ici, on s'est arrêté ici. On prend la rose. Je ne comprends pas trop votre question. Vous prenez la courbe rose et la courbe bleue. Vous prenez bien les deux courbes. Lorsque la rose et la bleue sont à 2,5 volts, c'est un bit récessif, donc un 1. Lorsque la différence de potentiel entre can high qui est le bleu et can low qui est le rose est de 2 volts, donc 3, 5, 1, 5, c'est un bit dominant, c'est un 0. Vous regardez donc bien le rose et le bleu, les deux. Deuxième octet, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On commence par un bit dominant. Récessif, dominant, récessif. Dominant, récessif, dominant, récessif. Faut pas que je me plante, je me perds, bien sûr. Dominant, récessif, dominant, récessif. Dominant, dominant, récessif, récessif. Dominant, dominant, récessif, récessif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je m'étais bien sûr décalé de 1. 2, 3, 4, comme ça. Et donc là, j'ai 0x58. OK? Donc là, je me suis arrêté ici. Et j'ai bien restant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste bien un octet. Troisième octet. x58, ouais. Alors, troisième octet, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je commence ici, j'ai deux bits récessifs, un bit dominant, un bit récessif. Donc, deux bits récessifs, un bit dominant, un bit récessif. Et ensuite, j'ai deux bits dominants, un bit récessif, un bit dominant. Deux dominants, un bit récessif, un bit dominant. Ce qui me donne 0x, D2. Dominant, c'est 0. Récessif, c'est 1. On continue. Après le champ de données, on a un code de CRC sur 15 bits. Donc ici, vous comptez juste les 15 bits, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, on a le champ d'acquittement qui est composé de 3 bits. Un bit récessif qu'on appelle le CRC délimiteur. L'acknowledge qui est fait par le récepteur. Donc là, on voit qu'il a mis un bit dominant, donc c'est 0. Il a bien acknowledge. Et l'acknowledge délimiteur qui est toujours à 1. Okay. Donc 1, 0, 1 pour que ça se passe bien. Si on n'acknowledge pas, ça va faire 1, 1, 1. Ensuite, donc c'est le champ d'acquittement. Et ensuite, on a le champ de fin de trame, qui est 7 bits récessifs consécutifs. Enfin, on a l'IFS, espace intertram en français, qui est 3 bits récessifs. Voilà entièrement ma trame. Il n'y a pas de bits de relâchement ou de bits de fin. Enfin, il n'y a pas ces notions-là dans le CAN. Donc, je ne parle jamais dans mon vocabulaire de bits de relâchement ou bits de fin. Je peux dire par exemple que l'émetteur relâche le bus, donc ça va faire un bit récessif. Mais la notion de bit de relâchement dans le CAN, il n'y en a pas. Donc vous ne me verrez pas dire ce propos-là.
Ok, voilà la correction pour cette trame numéro 1. Je vous avais fait un petit document qui va bien, document que je vous donnerai sur Moodle. Complétez les cases avec la désignation en français du champ correspondant. Vous m'excuserez, vous l'avez fait vous-même. Ça ne sera pas sur Moodle. Donc c'est ça. Quelle est la valeur de l'identifiant de la trame? Nous l'avons calculé ensemble. Hein. C'est une valeur d'identifiant sur 11 bits puisqu'on est en CAN 2.0A et elle est de 0x435. Et puis on complète le tableau suivant avec les octets. On a vu qu'on avait une DLC de 3 octets. Donc, ah, je me suis trompé. Est-ce que je me serais trompé? Je me serais peut-être trompé. On va voir. C'est peut-être plutôt dans ma correction. Donc le dernier octet, j'ai pas la même chose que dans ma correction. Ici, dans ma correction, j'ai 8D, alors que là, j'ai D2. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, j'ai bien dominant, donc 0, 1, 1, 0, 1, c'est bien un D, et 1, 0, 0, 1, 0, c'est bien un 2, D2, c'est cette correction-là qui est correcte. Je vais tout de suite corriger ça pour ne pas vous induire en erreur. Je vous demande 2 secondes. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc j'ai bien 8D, 58 et D2. Ok, on continue. Donc ça, c'était la trame numéro 1. Je regarde s'il y a des questions. Pourtant, dans le cours, on parle de bit de relâchement après le 15 bits. Non, c'est pas un bit de relâchement. C'est que l'émetteur relâche la communication après le CRC. Donc c'est le CRC délimiteur. Mais c'est un bit récessif. Vous pouvez montrer la désignation en français. J'ai peur de ne pas comprendre votre question. Ouais, c'est tout est en français là. Ce live de TD, vous allez le mettre en vidéo permanente? Oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais mettre le document sur Moodle, ceci là, le document PDF sur Moodle. Et je vais mettre le live, ça sera une vidéo YouTube. Les deux, vidéo et papier. Seulement, dans la vidéo, y a ça, et papier, il n'y a que le document PDF que je vous présente là. Donc, par exemple, la question 1, j'y réponds pas sur le papier. Voilà. Trame numéro 2. On regarde ensemble. Trame numéro 2, la voici. On refait le même topo. Identifiant, donc on voit que c'est une pareil, un CAN 2.0A. Je vais aller un peu plus vite. Hein. Alors, on commence par l'ID. Récessif dominant, récessif dominant. Donc, récessif dominant, récessif dominant. Ensuite, on a 2 bits récessifs. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4 bits dominants et 1 bit récessif. J'isole par paquet de 4, ça me fait 1, 6. 5, 0x5561, je vérifie si j'ai pas fait de boulette, ouais c'est ça, 0x561. On voit qu'il y a un RTR à 0, c'est donc une trame de données, et on voit que la DLC est de 0011, il y a encore 3 octets ici. Alors c'est parti, on y va pour les octets, premier octet.
Alors, dominant, récessif, dominant, dominant. Dominant, récessif, dominant, dominant. Ensuite, récessif, dominant, récessif, dominant. Récessif, dominant, récessif, dominant. J'enchaîne tout de suite sur le deuxième octet pour ne pas me planter. J'avais fini par un dominant, j'attaque par un récessif. Donc, récessif. Et dominant, dominant, dominant. Dominant, 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 dominant. Et j'enchaîne sur le troisième octet pour pas me planter. Récessif, dominant, récessif, récessif. Dominant, 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 récessif. Voilà. Ce qui me donne en hexadécimal ici un 4 et un A. Ici un 80. Et dans le dernier octet, j'ai B et 1. Voilà. Donc 3 octets découpés ici. 0x4A, 0x80, 0xB1. Je peux regarder la suite. Hein. J'ai le CRC sur 15. J'ai un bon knowledge. Et après, j'ai mon fin de trame et mon intertrame. Voilà. Je vérifie sur la correction. J'ai bien ça. Oui, j'ai bien ça. Ok. Alors on enchaîne sur la troisième trame, et la troisième trame était un petit peu plus sympa, parce qu'en fait dans la troisième trame, j'ai enlevé les pointillés. Et histoire de pimenter un peu la chose, j'ai masqué le champ de DLC. Donc là ça va être plus compliqué parce que, bon pour l'identifiant on peut directement le faire, c'est pas si compliqué que ça. J'ai le start of frame ici, donc mon identifiant commence là, je vais avoir... Récessif, 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 dominant, 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 récessif, récessif, dominant. J'ai quand même regardé combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai fait un de trop, je m'arrête là. Okay. Donc mon identifiant est 0x. Alors il y a un 3, ça finit par un 3. Ensuite, ici, c'est un C et c'est un 7. 7C3. Ok, donc mon identifiant est de 0x7C3. Je vois ici que c'est un RTR à 0, c'est une trame de données. R0, R1, nickel, ils sont à 0. Et après, bam, j'ai un gros trou. J'ai pas la DLC. Bon, ça m'embête parce que si j'ai pas la DLC, je ne peux pas connaître la longueur de ce champ-là. Donc comment je vais faire? Eh ben, je vais ruser un petit peu et je vais partir de la fin. Parce que je sais qu'à la fin, il y a 3 bits d'intertrame. 1, 2, 3. Ensuite, il y a 7 bits d'espace intertrame. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va prendre tac, paint. Voilà, j'arrive sur paint. Ça sera plus simple. Donc ici j'ai 3 bits d'intertrame. 1, 2, 3. Je vais zoomer un peu parce que je suis bigleux. 1, 2, 3. Je trace un trait ici. Donc ça c'est l'intertrame. Ensuite j'ai 7 bits de fin de trame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc là j'ai la fin de trame. Ensuite, j'ai mes 15 bits mes 3 bits acknowledge. Donc, je vois l'acknowledge délimiteur qui est en récessif. Avec le fin de trame, on peut savoir. Oui, la fin de la trame, on peut savoir. Récessif. Ensuite, l'acknowledge qui est bien fait, 1, 0. Et le CRC délimiteur. Donc, ici, j'ai mon acknowledge qui est terminé. Ensuite, je me suis amélioré sous Paint quand même. Regardez, c'est droit. Ensuite, on a 15 bits de CRC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bits de CRC. Et avant le CRC, ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la donnée. La donnée, comment elle est découpée? Elle est forcément découpée en octets. Donc là, j'ai... Forcément, il faut que je trouve un multiple de 8, sinon je me suis planté. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nickel. J'ai donc
deux octets de données, et maintenant je peux récupérer la donnée. Premier octet, récessif, dominant, 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 récessif. Alors, ça me donne 0x81. Deuxième octet. Récessif, dominant, récessif, dominant, récessif, récessif, dominant, dominant. 0x. A, C. Et voilà. Je viens de décoder la trame alors qu'il me manquait des informations. Il suffit de connaître en fait la composition avec les différents champs. Et bah, ça marche bien. On vérifie, je vérifie juste sur mon document si j'avais ça. J'avais deux octets, 80 AC et la valeur d'identifiant c'est 7C3. C'est tout bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je peux laisser le paint. Bon, du coup, avec 30 secondes de retard. Voilà. Je vous laisse une minute pour pouvoir reprendre ça, noter s'il y a besoin. Hein, et me poser des questions si vous avez des questions. Oui, on part de la fin car je n'ai pas le DLC. Donc si je n'ai pas le DLC, de gauche vers la droite, ça ne va pas marcher puisque je ne sais pas combien d'octets de données j'ai. Donc j'ai été obligé de partir vers la fin pour trouver la DLC qui correspond comme il faut à ce que je veux. Pourquoi 3 bits? Parce que l'intertram fait 3 bits. Si vous regardez votre cours de la semaine dernière, le champ intertram fait 3 bits. Je vous propose de continuer. Donc ça c'était le TD numéro 1, enfin la première partie du TD, donc les trois trames. Je vous laisse une minute, encore une minute.
Ok, on va reprendre. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Ben, je viens d'analyser les trois trames. Et on va faire la suite. Donc, faites attention, vous voyez, quand vous avez des trames comme ça, qu'est-ce qu'il faut connaître finalement? Il suffit de connaître votre cours sur la trame, la composition d'une trame CAN 2.0A. Et ou CAN 2.0B. Pour le champ de contrôle, les deux bits de poids fort sont toujours à 0. Oui, les deux bits de poids fort du champ de contrôle sont toujours à 0. Alors, je vais juste reprendre qu'on parle de la même chose. Le champ de contrôle, c'est le champ qui commence à B0, B1 et qui finit à la fin de la DLC. Le champ RTR est en dehors du champ de contrôle. Il est dans le champ d'arbitrage qui est composé, le champ d'arbitrage, de l'identifiant et du RTR. Okay? Donc B0, B1, ou on peut les appeler IDE, B0, sont toujours à 0. Par contre, la DLC, là, elle varie entre 0 et 8. Okay? Elle ne peut pas être supérieure à 8, par contre. Sinon, ça fait une erreur. C'est une erreur de trame. Ok. Alors, on continue. Ça j'enregistre pas. Et on va commencer un petit exemple d'un réseau CAN. Donc survu que l'automobile est installé un réseau CAN 2.0A, donc c'est donc du CAN high speed et je suis en identifiant standard puisque j'ai un A. Les différents nœuds sont les suivants. Donc on a différents nœuds dans notre bus. Le calculateur moteur. Un calculateur ABS, un combiné d'instrumentation, un module de commutation sous le volant de direction qui regroupe les principaux organes comme le Neumann, le phare, les phares, les essuie-glaces, etc. Un calculateur de porte qui permet d'avoir les états ouvrants, un calculateur de boîte de vitesse automatique et le BSI, le boîtier principal. Bon, ces informations sont plus ou moins importantes, mais pour le moment, elles ne m'intéressent pas vraiment. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est voici une liste de quelques paramètres circulant sur le réseau. Alors, ce sont des trames que l'on peut capturer sur le bus et que tous les nœuds voient passer. Premièrement, la vitesse de rotation du moteur avec un identifiant de 0x3C1. On me dit que la gamme d'acquisition est comprise entre 0 et 7150 tours par minute. Et on me dit que la donnée est codée sur 8 bits. Ensuite, on a la vitesse du véhicule. Elle est donnée par le calculateur ABS, donc l'identifiant c'est 7D9, la gamme c'est de 0 à 255 km/h et elle est codée sur 8 bits. La vitesse des roues, elle est donnée en tours par minute par le calculateur ABS, donc l'identifiant est 03F et on me donne l'ordre de donner la roue avant droite, la roue avant gauche, la roue arrière droite, la roue arrière gauche. Alors attention, avant ces deux trames-là, il n'y avait qu'une seule donnée. Là, il y a 4 données. Donc, la DLC va être de 4. Donc, avant-droit, avant-gauche, arrière-droit, arrière-gauche. La gamme de vitesse, elle est codée sur 7 bits et pas 8 bits. Et le huitième bit de poids fort indique le sens de rotation. En gros, si la roue est en marche arrière, il y aura un 0 dans le bit de poids fort. Et si elle est en marche avant, il y aura un 1. Attention, ce n'est pas la même chose que un nombre signé, hein. On me dit que le diamètre de la roue est 570 mm. Ok. Alors je reprends juste une question de Monsieur Bruyère. Merci, mais du coup, vous pouvez faire la question 3 de la trame 3 SEP, SVP. La question 3 de la trame. Ah, je l'ai oublié. Ah, j'ai peut-être oublié. Compléter correctement la zone en pointillé. Ah oui, j'ai oublié cette question, excusez-moi. Ouais. Donc, on va faire. Si je complète correctement la zone en pointillé ici, je vais reprendre ma trame. Ok. Donc je reviens 2 secondes sur l'exo précédent, j'ai oublié de faire une question. Ici, si j'ai envie de compléter ceci correctement, on avait donc vu que la DLC est composée de 2 octets. Je vais donc avoir 2 octets. Donc je vais tracer ça comme ça.
2 octets, ça va me faire 0, 0, 1, 0. Donc je vais avoir. Ça pour can I. Voilà. Et pour can low, je vais avoir ça. Voilà. On est d'accord qu'ici il y a 0, 0. Hein. On va faire un petit truc comme ça pour montrer qu'il y a 2 0. Voilà. Donc 0 bit dominant, 0 bit dominant, 1 bit récessif, 0. Donc j'ai bien 0, 0, 1, 0. J'ai bien 2 en binaire. Et donc c'est la DLC que je dois avoir. Ok? C'est bon pour tout le monde? Je vais continuer et je reviens sur l'exercice que je viens de présenter. Alors, donc j'en étais où? Je vous décrivais qu'il y avait. J'ai pas compris pourquoi 0, 0, 1, 0. Parce que 0, 0, 1, 0, ça fait 2 en décimale. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait 2 octets de DLC. Donc j'écris dans la DLC 0, 0, 1, 0 pour dire qu'il y a 2 octets de données. Je vous renvoie au cours de la semaine dernière si vous avez du mal avec ça. Je vais attendre 30 secondes s'il y a encore une question sur cet exercice-là. Et puis sinon je passe sur le 4. Ok, je vais passer sur l'exercice 4, donc, dont je vous ai énoncé l'énoncé. Alors, du coup, première question. Quelles sont les résolutions numériques traduisant la vitesse de rotation du moteur, la vitesse de rotation des roues et la vitesse du véhicule? Qu'est-ce qu'une résolution de variable numérique? Donc, on va prendre l'exemple avec le premier, la vitesse de rotation du moteur. La vitesse de rotation du moteur, l'énoncé me dit que c'est une trame dont l'identifiant est 0x3c1 et la gamme est de 0 à 7650 tours par minute. Ça veut dire que le capteur est capable de capter la rotation du moteur du minimum 0 jusqu'au maximum 7650 tours par minute. Et cette information, elle est codée sur 8 bits. Ça veut dire qu'il y aura un octet dans ma trame CAN. Lorsque cet octet vaudra 0, 0, je vais prendre un bloc-notes pour vous écrire ça en même temps. Lorsque sur la trame CAN, l'octet vaut 0x00, eh bien le moteur, la vitesse du moteur sera de 0 tours par minute. Okay. Lorsque sur la trame CAN, j'ai le nombre maximum, c'est-à-dire FF, et bien le moteur il tournera à sa vitesse max, c'est-à-dire 7650 tours par minute. La résolution des variables numériques, c'est quand la donnée CAN augmente de 1,
De combien de tours par minute augmente le moteur? Si je reformule ça, quelle est la précision de la trame canne concernant l'information du moteur? D'accord? Eh bien, c'est pas compliqué à calculer ça. Il suffit de prendre le nombre de valeurs, ou plutôt la valeur max que l'on a sur la trame canne. La valeur max, elle est codée sur 1 octet, donc elle est de FF. FF, c'est 255. Pourquoi? Parce que c'est codé sur 8 bits, donc la valeur maximum, c'est 2 puissance 8 moins 1, donc 255. Donc, de 0 à 7550 tours par minute, j'ai de 0 à 255. Comment je fais pour avoir la résolution? Eh bien, la résolution, je prends le nombre max, c'est-à-dire la vitesse du moteur max, pardon, c'est-à-dire 7650, moins le minimum, d'ailleurs, j'aurais peut-être le mettre là, moins le minimum, donc c'est V moteur max, moins V moteur min, divisé par la valeur max moins la valeur min. Voilà la résolution. Le quantum n'a absolument rien à voir avec ça. Ça n'a absolument rien à voir avec le quantum. C'est à l'intérieur de la donnée, comment je fais pour avoir une donnée analogique, si vous voulez, et je l'envoie sur le numérique, sur le canon numérique. Si vous voulez, c'est plus ça. Ok, donc la valeur de moteur maximum, c'est 7750. La valeur minimum, c'est 0. Et alors, faites gaffe, hein, si mon capteur, par exemple, c'est un capteur de température qui fait 80 degrés plus 80 moins 10 degrés, eh bien là, j'aurais mis 80 moins moins 10, ça fait 90. Ok. La valeur max que je peux avoir, bah, si c'est codé sur 8 bits, si c'est 255, et la valeur min sur le CAN, c'est pas compliqué, c'est toujours 0. Je fais l'opération, et je trouve 7650 divisé par 255, ça fait 30 tours par minute, par bit. Donc à chaque fois que j'augmente d'un bit sur la trame CAN, je augmenterai de 30 tours par minute. Donc en fait, le résultat, il est précis à 30 tours par minute près. Ok. Alors, on me demande la même chose pour la vitesse du véhicule et la vitesse 0. Donc regardons la vitesse du véhicule. La vitesse du véhicule, on vous dit qu'elle est entre 0 et 255 km/h sur 8 bits. Alors là, c'est facile. Parce que, en fait, la gamme, c'est la même que la valeur max. Donc j'aurai valeur max du véhicule, c'est 255 km/h, divisé par la moins valeur min qui est 0, divisé par la valeur max numérique, c'est 255, moins la valeur min, c'est 0. Ça fait 1 km/h par bit. À chaque fois que dans la trame, la donnée augmente de 1, la vitesse augmente de 1 km/h. C'est pour ça peut-être que sur votre voiture, vous avez peut-être déjà vu, elle est limitée à le contour, le combiné, il est limité à 250 km/h. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Bah, c'est pour ça, c'est parce que c'est super facile à coder sur le CAN. La suite, j'y viens. Alors ensuite, la dernière chose, c'est la vitesse des roues en tours par minute. Donc, l'identifiant, c'est 3F. Et là, il y a 4 données. Mais chaque donnée est codée de la même façon. Ok. Donc on va faire pour une et après c'est copier-coller pour les autres. Alors là, la gamme de vitesse maximale, elle est sur 7 bits. Et le 8e bit, c'est le bit de poids fort. Donc là, la valeur max, ça ne va pas être 255. La valeur max, ça va être 127. Donc de 0 à 127. Et après, je mettrai un 1 devant si ça avance et un 0 si ça recule. Ok. Par contre, on ne me donne pas la vitesse max des roues et la vitesse min des roues. Bon, il va falloir faire autrement. On me donne le diamètre de la roue. Et au-dessus, on me dit que la vitesse maximum du véhicule est de 255 km/h. Du coup, avec le diamètre de la roue, je peux donc trouver le périmètre. Et donc, je peux calculer pour un tour de roue
combien de mètres je fais et de kilomètres. Et donc à 255 km/h, je peux retrouver la vitesse en tours par minute. Alors, voilà comment je fais. La vitesse des roues, je tourne de 0 à une valeur que je ne connais pas en tours par minute. Sur 7 bits, plus 1 bit pour le sens de rotation. Donc déjà, je vais m'attacher à découvrir quel est ce point d'interrogation. Alors, ce point d'interrogation, comment je fais? Pour calculer la vitesse des roues, j'ai oméga, qui est la vitesse de rotation de la roue, c'est égal à la vitesse en kilomètres heure, divisé par 2 pi r, le périmètre de la roue, la vitesse d'un tour. D'accord? Alors ma vitesse là, elle est en kilomètres heure. Et moi, je voudrais la retrouver en tours par minute. 2 pi r, c'est la distance pour un tour. Donc là en bas, je vais trouver un tour. Attention à r, il est exprimé dans l'énoncé en millimètres, 570 millimètres. Je vais donc le passer en mètres. Si je le passe en mètres, V au-dessus, je dois également le passer en mètres. Il est en kilomètres heure. Donc je le passe en mètres. D'accord? Et enfin, kilomètres heure. Heure, je dois le passer en minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Alors regardez. Au-dessus, je prends 255 kilomètres heure. Pour passer en mètres par minute, 255 fois 1000, puisque 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Et je divise par 60, puisque 1 heure, c'est 60 minutes. Donc au-dessus, 255 fois 1000 divisé par 60, ça me donne la vitesse en mètres par minute. En bas, j'ai 2, puisque c'est 2 pi r, pi, et r, 570 mm de diamètre, donc le rayon, on divise par 2. D'accord? Donc, ça me fait 570 divisé par 2. Sauf que ce résultat est en millimètres. Je vais le mettre en mètres. Pour le mettre en mètres, je divise par 1000. Donc 570 mm me donne 0,57 mètres. Je me retrouve donc bien avec des mètres ici, des mètres par minute ici, et ce périmètre représente un tour de roue. Donc en divisant ici mètres par tour par mètre, je me retrouve bien en tours divisé par minute. Je fais l'application numérique et je trouve 2373,36 tours par minute. Alors, je vais juste prendre les questions. Je vais juste prendre les questions. Alors. Donc, ça fait 129 valeurs possibles, non. Puisque marche avant et arrière. Non. Marche avant et arrière, on ne le prend pas en compte. On code sur 7 bits. Donc, 2 puissance 7 moins 1, ça fait 127. Basta. On ne réfléchit pas plus loin que ça. Ensuite, une fois qu'on aura trouvé notre résultat, on le repasse en binaire. Et on met un 1 ou un 0 si on avance ou on recule. Voilà. Mais on code sur 7 bits, on ne code pas sur 8 bits. V égale D sur T, distance sur temps. J'ai pas besoin de ça pour cette équation-là. Parce que je reste en... Ça, c'est une vitesse en tours par minute. Ce n'est pas une distance. En fait, cette distance-là me sert à trouver combien de mètres fait un tour. Donc pour ensuite avoir des tours. Ici, mètre, tour, mètre, les mètres se suppriment au-dessus, se suppriment en dessous, et ça me donne tour par minute. Une fois que j'ai ce résultat-là, j'ai donc de 0 à 2373,36 tours par minute, de 0 à 127. J'ai plus qu'à prendre max moins min, 2373,36 moins 0, max moins min en bas, 127 moins 0, et ça me fait 2373,36 divisé par 127. 18,69 tours par minute par bit. À chaque fois que ma trame augmente d'un bit, ma donnée augmente d'un bit, j'augmente la vitesse de 18,69 tours par minute. Donc je suis précis à 18,69 tours par minute près. Je vous laisse 30 secondes pour me poser des questions.
Je n'ai juste pas saisi pourquoi 255 fois 1000. Parce que 255 est en kilomètres heure, kilomètres. Et je veux des mètres par minute. Donc je multiplie par 1000 pour passer de kilomètres en mètres. Alors, je vais continuer. Donc maintenant qu'on a ça, eh bien c'est pas mal parce qu'on va pouvoir tracer les trames. Question numéro 2. Je ne vais pas corriger toutes les questions. Je vais en faire... Là, il y en a 3. Je vais en faire une. Je vais en faire une. Et je vais faire la plus dure parce que sinon, ce sera pas sympa. Je vous donne cette correction-là. Par contre, je vous donne pas le tracé. C'est pas censé être l'inverse alors, non, c'est pas censé être l'inverse parce que 1 km c'est 1000 mètres, donc faut multiplier par 1000 pour avoir le résultat. Donner les trames avec bits de stuffing, donc on va les insérer. Le champ CRC, ben comme on ne connaît pas le calcul du CRC, on va remplacer par des croix sans tenir compte des bits de stuffing. De toute façon, il n'y a pas de bits de stuffing dans le CRC. On part du principe qu'il n'y a jamais eu d'erreur de transmission. Donc toutes les trames qu'on va dessiner, on fera un acknowledge dessus. Indiquer de couleurs différentes les bits de stuffing, ok, et détailler les calculs. Alors, une trame indiquant une vitesse de véhicule de 62 km/h. Bon, je fais rapidement, mais je la trace pas. Ça sera à vous de la tracer à la maison. Ok, j'ai une vitesse de véhicule de 62 km/h. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fabriquer une trame dont l'identifiant est 0x7d9, puisque c'est l'identifiant de la vitesse du véhicule. La DLC sera de 1, puisque j'envoie qu'une seule donnée. Et la donnée est 1 octet, 8 bits. Question, quelle est cette donnée? Eh bien, en fait, quand vous avez la vitesse, comme on a calculé avant la résolution, il suffit de diviser cette vitesse-là par la résolution. La résolution du véhicule, c'est de 1 km/h par bit. Ma vitesse est de 62 km/h. On est d'accord que km/h divisé par km/h par bit, il ne reste plus que des bits à la fin. Donc j'ai bon résultat. Donc 62 divisé par 1, ça fait 62. C'est du décimal. Donc pour le mettre en hexa, 62, ça me fait 3e. Donc je vais fabriquer, vous allez fabriquer à la maison une trame avec un identifiant de 0x7d9, une DLC de 1, une donnée de 0x3e. Vous mettez des bits de stuffing qui vont bien, mettez des croix sur le CRC, donc 15 croix, et dans l'acknowledge, vous faites bien 101 pour dire qu'on a acknowledge. Alors la deuxième, par contre, je vais la corriger et je vais dessiner la trame. Une trame indiquant la vitesse des roues du véhicule, le véhicule est en marche avant, et le véhicule roule à 48 km/h, mais il y a une roue qui patine. La roue avant gauche patine à 1650 tours par minute. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, on va commencer par l'identifiant, c'est facile. Donc l'identifiant c'est 3F, d'accord, puisque c'est donné dans l'énoncé. Et 3F, ça va être une trame de données, j'acknowledge. Et il y a 4 octets de données. Alors les 4 octets, il y a... Le véhicule, il avance. Il n'est pas en virage. Donc, on va dire que toutes les roues tournent à la même vitesse. Sauf une qui est en train de patiner. Donc, il y aura trois données qui seront identiques et la roue avant gauche qui sera différente. Donc, je vous propose de commencer par la roue avant gauche. Donc, la roue avant gauche, on me dit qu'elle patine à 1650 tours par minute. Bon, ben, c'est pas compliqué en fait. 1650 tours par minute. Je retourne au-dessus. Ma vitesse des roues ici. J'ai la résolution qui est de 18,69. D'accord? Eh bien, 18,69, je prends la vitesse de 1650, je divise par la résolution des roues, donc je divise par 18,69 et je trouve le chiffre de 88,28. Alors, bien sûr, on ne travaille qu'avec des nombres entiers, donc je vais tronquer ce chiffre à 88. D'accord? Alors, attention, c'est pas fini. 88, je le passe en hexa, ça me fait 0x58. Sauf que ça, c'est codé sur 7 bits. Et le huitième bit, le bit de poids fort, eh bien, c'est celui, hop,
qui me dit si on avance ou on recule. Donc 0x58, c'est quoi? C'est 0101 et 1000. Ok. Seulement ce bit-là, eh bien, il ne rentre pas en compte dans la formule que je viens de faire. Parce que je code sur 7 bits. Ce bit-là, je vais mettre 1 ou 0. Je vais regarder mon énoncé. Et on me dit dans l'énoncé que la vitesse des roues, le sens de rotation, c'est 0 si c'est en arrière, 1 c'est en avant. Or, on me dit que on est en marche avant. Et donc, en marche avant, je vais donc mettre un 1 ici. Et ça, ça devient 0xd8. Voilà comment on fait pour trouver la donnée à envoyer. Donc, la roue avant-gauche, AVG, pour avant-gauche, c'est 0x18. Ok. Mais il reste les trois autres roues, c'est-à-dire avant-droit, arrière-gauche, arrière-droit. D'accord ? Et les autres roues, on ne me donne pas la vitesse de rotation en tour par minute. On me donne la vitesse en kilomètre heure. Ben, c'est pas grave, je vais refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais la retrouver moi-même. Comment ? Je reprends la même formule. Oméga est égal à la vitesse divisée par 2pi r. La vitesse, je la mets en mètres par minute. Donc, je prends 48 fois 1000 divisé par 60. Et 2pi r, ben, c'est toujours la même voiture, elle a toujours la même roue. Donc, 570 mm de diamètre, je divise par 2 pour avoir le rayon, et je passe en mètres, 0,57. Donc, j'ai 2 fois pi fois 0,57 divisé par 2. Et ça me donne 446,75 tours par minute. Les trois autres roues tournent à 446,75 tours par minute. Je prends ce résultat, je le divise par 18,69, je ne l'ai pas fait là. Non, je ne l'ai pas fait. Donc, le résultat, ça me donne 23,9 en décimale. J'arrondis à 24. Et 24, ça me donne 0x17. On va se mettre ici. 0x17. 0x17, qu'est-ce que c'est? C'est 0001. OK. Et pareil, je suis en marche avant. Ce 0 ne rentre pas dans le codage sur 7 bits. Par contre, je vais le transformer en 1 parce que je suis en marche avant. Et ça va me faire 0x87. 0x87. Ok. Donc, conclusion, je dois fabriquer une trame de données d'identifiant 03F avec une DLC de 4. 4 données, alors on va regarder dans l'énoncé lesquelles on envoie. On envoie déjà avant-droit, avant-gauche. Donc avant-droit, je vais envoyer 0x87. Ensuite, je vais envoyer D8 pour avant-gauche. Ensuite, 0x87, 0x87. Je vais acknowledge. Et puis c'est tout. Ok. On y va ? Alors, on va la tracer. Il y a une erreur. Je vais regarder. Ah, ça se peut qu'il y ait une erreur. Ça se peut qu'il y ait une erreur. Ah oui, 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 effectivement. Effectivement. 97. Pas 87. J'ai fait une erreur. Je la corrige tout de suite pour pas que vous soyez perdus. Donc ici. Ici, quand je mets un 1, ça fait 1001, ça fait 9, ça fait 0x97. Je corrige ça. Ok.
0x97, voilà. Comme ceci. Ok. On trace la trame, ça j'en ai plus besoin, je vais mettre ça comme ça. Hop, je la mets au-dessus pour la tracer au-dessus. Et je vais essayer de zoomer un max pour que vous voyez. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est que je fais la trame que en logique. Bon, je fais le début en. Je fais le début aussi en classique. Donc là, on est d'accord que j'ai 3,5 volts. Ici, là, je vais être à 2,5 volts. Et ici, je vais être à 1,5 volts. Ok. La trame en récessive, je suis à 2,5, 2,5. Et en dominant, je suis à 1,5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un noir comme d'hab et rouge évite de stuffing. Et je vais prendre ça, hop, pour que ça fasse plus propre. Voilà. Donc là mon bus est au repos, je démarre ma trame, start of frame, paf, zéro ici. D'accord? Donc là, comme ça, j'ai un zéro. Donc 1, j'ai 2, 5, 2, 5, 0, 1, 5, 3, 5. Okay. Je continue pas là-haut, vous avez compris, hein, je vais continuer qu'en bas. Je fais mon début de trame, ensuite qu'est-ce que je fais? J'envoie mon identifiant. Mon identifiant est 0, 3, F. Donc il est sur 11 bits. Donc déjà, on va commencer par 3 zéros pour faire le 0. Donc là, il y en a. Là, il compte pas, hein, c'est le début de la trame. Donc je vais mettre en petit pointillé vert. Je vais faire ça comme ça pour délimiter. Ah, merde. Hop, pour délimiter ça comme ça. Voilà. Là, c'est le start of frame. Pourquoi il veut pas me mettre en noir? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, start of frame, il est là. Ensuite, je démarre, je mets bien en noir. Ensuite, je vais avoir 3 0 1 3, 0, comme ça, qui sont les 0 ici. Ensuite, 3, ça va être 0, 0, 1, 1. Mais attention, là, j'ai déjà fait 3, 0. Donc, je vais en faire 2 de plus. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 0. Je vais avoir un bit de stuffing. Putain, c'est chiant ça. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Hop. Voilà. Bit de stuffing. Donc bit de stuffing, je vous rappelle, il ne rentre pas en compte hein, dans la trame. Voilà. Ok. Donc 0, 0, 0. Là, ça fait un beau 0. Tiens, on va faire ça comme ça. Ok. Ici, on est en train de dessiner le 3, donc le 3, ça va être comme ça. Non, non, quand c'est à 0 sur la trame logique, c'est à 3, 5, 1, 5 au-dessus. Ouais. Si je dessine, c'est comme ça en fait. Avec le bit de stuffing là. Comme ça. Donc là, j'ai 0, 3, et ensuite c'est un F. Alors là, faut faire gaffe, parce que j'en ai déjà fait 2. F, ça va en faire 4, donc il faudra que je fasse gaffe à ne pas en faire 5. Le bit de stuffing n'est pas un bit trop tard, peut-être. Peut-être. Ah oui, vous avez raison. Parce qu'il y a le bit start of frame. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait le faire là, effectivement.
j'ai fait de la merde, donc si j'efface, ça efface tout, c'est pas grave. On va effacer. On va effacer comme ça. Tac. Le bit de stuffing, c'est bien 5 bits après. Donc 0, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le bit de stuffing, il doit être ici en fait. Ici, comme ça. Et du coup, il va revenir à 0. Voilà. On va gommer ce petit bout-là. Voilà. Comme ça. Ctrl Z, j'allais effacer ce truc là-haut et j'avais pas envie pour Monsieur Gagnard. Ok. On reprend. 0, c'est 0, 0, 0. 3, c'est 0, 0, 1 et 2, 1 en fait. Hein. Comme ça. Donc là, j'ai mon 3. Ici. Ok, donc 0, 0, 1, 1. Ensuite, j'ai mon F, donc il faudra faire gaffe. F, c'est 4, 1. Le problème, c'est que ça va en faire 6 à la suite. Donc, je vais avoir un bit de stuffing. Donc, je dois en faire 3. Ici. Et là, paf, bit de stuffing. Bien sûr, j'ai pas fait ce qu'il faut. Voilà. Je suis désolé, avant, j'avais un stylet. Et ça allait bien, mais c'était avant. Ok. Donc 1, 2, 3, 1 et 1, 4 comme ceci. Et donc là. Et F. Alors. Je viens de finir l'identifiant. Maintenant. Je fais l'RTR. Donc on a dit qu'on était sur une trame de données, donc le RTR va passer à 0. Donc ici, RTR à 0. On va en profiter pour faire ça. On va le mettre ici. Hop. Et donc ici, en fait, on aura toute la partie identifiant. Ok. Voilà. RTR, ici. Ok. Et ici, c'est la fin du RTR. Donc on va retracer un trait ici, comme ça, pour signifier la fin du RTR. Alors après, j'ai deux bits réservés, B0, B1. Et merde. Ok. On va les mettre là. Et ensuite, j'attaque la DLC. Alors la DLC, là je suis à 1, 2, 3. Ça va passer, je pense. Parce que la DLC, elle est de 4. Donc 0, 1, 0, 0. Donc 0, 1. On va mettre là. 0 et 0. Voilà la DLC. Pourquoi le 0 en rouge en F? Parce que c'est un bit de stuffing. On se met là. Et là, on va écrire DLC.
Ok. Donc je viens de faire la DLC qui était de 4. Donc j'attends à avoir 4 octets. Et ensuite, je me souviens, si je me souviens, on envoie déjà l'avant-droit, avant-gauche, arrière-droit, arrière-gauche. Donc l'avant-droit, on va faire l'avant-droit. Alors l'avant-droit, qu'est-ce que c'est? C'est 97. Donc 97, c'est 1. Zéro, zéro. 1. Donc là, j'ai fait le 9. Et 7, c'est hop, 0 et 3, 1. Donc là, c'est pas mal, j'ai pas de bit de stuffing, je suis tranquille. Donc là, 97. Ok. Donc là, j'ai fini mon premier octet. Voilà. Et ensuite, j'attaque le deuxième octet. Donc le deuxième octet, c'est D8. Il va falloir faire gaffe avec les bits de stuffing là. 1, 2, 3, D, ça va me faire 1, 1. Ça va me faire sauter. Là, je vais en avoir 1. Donc D, c'est 1, 1, 0, 1. Donc j'ai 1, 1. Là, je vais avoir un bit de stuffing. Pour le passage à 0. Et ensuite, D c'est 1, 1, 0, 1. Donc comme ça. Comme ceci. Donc là j'ai D. Et D8, le 8 c'est 1 et 3, 0. Et j'ai terminé mon deuxième octet. Je suis désolé, je lis pas trop en même temps le chat, j'essaie de me concentrer. Ici. Deuxième octet. Ok. Donc le deuxième octet, c'était la roue avant gauche, et du coup, on a dit que c'était D8. Comme ça. Troisième octet 97. Est-ce que je tente de faire ça? Oh, pas mal. Par contre, j'arriverai pas à le faire deux fois. Si, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. On va mettre ça comme il faut. Et donc là, c'est le troisième octet. Donc c'est la arrière droit. Ok. Et enfin, l'arrière gauche. Eh bien. Pareil, 97. Je regarde si les bits de stuffing ça joue, mais normalement ça devrait être bon. Un, deux, trois, quatre, on est tout bon. Ok. Donc, je viens d'envoyer 4 octets. 97 pour la roue avant droite. D8 pour la roue avant gauche qui patine à 1150 tours par minute. 97 pour la roue arrière droite. Et 97 pour la roue arrière gauche.
J'ai terminé mon champ de données. Maintenant, je vais avoir 15 croix. On va faire des croix. Pour le CRC. Comme ça. Alors, 6, 9, 12 et 15. Donc là, je viens de faire le champ de CRC. Ok. Et une fois que j'ai fait le CRC, donc acknowledge, là j'ai plus de bits de stuffing. Ok. Il y a 13 bits d'ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faut pas compter les bits de stuffing. Ouais. Les bits en rouge ne comptent pas dans la trame. Donc il y a bien 11 bits d'ID, plus 2 bits de stuffing, oui 13 bits si vous voulez. Donc le CRC, j'ai le CRC délimiteur ici. Ensuite j'ai l'acknowledge qui est fait. Donc on a dit que la trame allait tout le temps acknowledge, donc je vais avoir un 0, puis un 1. J'ai ma fin de trame qui est constituée de 11 bits, donc 7 bits de fin de trame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme ceci, et 3 bits d'intertrame, donc on va dire que ça arrive jusqu'ici, hein. Hop, il y aura un petit bit là, voilà, donc on va les séparer quand même. Ici. Donc ici, on aura. Il n'y a pas de bit de stuffing dans le CRC, monsieur Rire. On aura fin de trame. Et ici, on aura l'intertrame. Et voilà. Ma trame est terminée. Je peux zoomer un petit peu plus. J'ai un début de trame, ensuite j'aurai un identifiant de 11 bits 3F où j'ai 2 bits de stuffing à l'intérieur. Le RTR est à 0 puisque c'est une trame de données. J'ai 2 bits B0, B1. La DLC de 4, 0, 1, 0, 0. La donnée 97, D8, 97, 97. Et puis ensuite 15 bits de CRC. L'acquittement qui est le CRC délimiteur à 1. L'acknowledge à 0 puisqu'on a bien acknowledge. L'acknowledge délimiteur à 1. 7 bits de fin de trame et 3 bits d'intertrame. Vous pouvez expliquer l'acquittement, je viens de le faire. Est-ce qu'il y a des questions?
Sur les rames dessus, vous faites des croix aussi, puisque vu que j'ai fait une croix, on ne sait pas si on est en bit dominant et au bit récessif. 2 bits égale hack, non, l'hack est sur 3 bits. Il y a 2 bits récessifs qui sont le CRC délimiteur. Ensuite, il y a le bit d'acquittement qui est mis par le récepteur à 0 s'il a bien acquitté, et le dernier bit à 1 qui est le hack délimiteur. Le bit de fin de CRC, j'ai pas capté pourquoi il n'apparaît pas. Il apparaît dans le champ acquittement en fait. Le champ acquittement, il y a 3 bits. Alors, honnêtement, ça va dépendre des documents que vous regardez dans la littérature. Dans la littérature, vous allez trouver des fois le CRC délimiteur comme faisant partie du champ CRC, et des fois le CRC délimiteur faisant partie du champ acquittement. Bon, il y a 15 bits de CRC, ensuite il y a un 16e bit qui a 1. Voilà. Donc voilà pour cette question. Et comment est-ce qu'on fait pour dessiner une trame? Donc je ne vais pas dessiner les autres trames, ça sera à vous de le faire maintenant. Hein. Ok? Voilà. Je passe à la question suivante, mais je pense qu'il y aura des questions vu que j'ai un retard de 30 secondes, donc je reprendrai au passage. Ah, j'arrive pas à comprendre comment vous avez mis les 2 bits de stuffing en ID. Ah bon? Les 2 bits de stuffing en ID, en fait, regardez. Ici, j'ai un début de trame à 0, donc j'ai 0, 0, 0, 0, 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5 bits qui sont à 0. Donc le sixième bit automatiquement doit être à 1. Et ce bit ne compte pas dans la trame. Quand je regarde la trame, ça va me faire 0, 0, 0, 0, 0, 1. Je ne le compte pas. Idem celui-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 bits à 1. Automatiquement, je rajoute un bit de stuffing à 0. Hackslot et le hack délimiteur est 3. Dans le champ acquittement, il y a 3 bits. Celui-là, il s'appelle CRC délimiteur. Celui-là. Je sais pas comment faire. Ça. C'est CRC délimiteur. Okay. Celui-là. Est-ce que ça marche? Ça marche pas du tout. Bon, bref, vous avez vu. Celui-là, c'est le bit d'acquittement, acknowledge. Et celui-là, c'est hack délimiteur. Le principe, il est tout bête. Ici, le 0 là. C'est pas l'émetteur qui l'envoie, c'est le récepteur. Donc pour qu'il puisse l'envoyer, il faut que l'émetteur il arrête d'écrire. Donc à la fin du CRC, pendant un bit, l'émetteur il relâche le bus. Donc le bus il remonte à 1. C'est ce qu'on appelle le bit de CRC délimiteur. L'esclave, enfin non pas l'esclave, le récepteur, il met un 0. Ouais, c'est la page 30 du cours, et j'ai l'impression vraiment de me répéter. Il met un 0 pour signifier qu'il a acquitté, et ensuite il relâche le bus. Et c'est ce qu'on appelle le hack délimiteur. L'émetteur reprend pour faire son fin de trame. Voilà. Je pense que ça sera tout pour les questions. Je vais passer à la question suivante. Donc, rapidement, je vais faire rapide, qu'on finisse à 17h. Une trame indiquant la vitesse de rotation du moteur pour un véhicule roulant à 85 km/h avec un rapport de pont et de boîte de K équivalent de 0,28. Donc la vitesse de roue, c'est K fois la vitesse du moteur. Donc on calcule la vitesse de rotation du moteur, puisqu'on ne l'a pas, on n'a que la vitesse du véhicule de 85 km/h. Donc dans un premier temps, il faut calculer la vitesse de rotation de la roue. Et ensuite, avec K, on reviendra au moteur. Donc la roue, qu'est-ce que c'est? Ben, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître. Oméga roue, c'est V sur 2 pi R.
V, c'est 85 km/h. Je le repasse en mètres par minute, multiplié par 1060. En bas, j'ai toujours la même voiture. 570 mm de diamètre divisé par 2 pour avoir un rayon. Je mets en mètres 0,57 mètres. Et ça me donne 791,43 tours par minute. À 85 km/h, mes roues, elles tournent à 791,43 tours par minute. Maintenant, le moteur. On me dit que la vitesse de la roue, c'est K fois la vitesse du moteur. Donc, je divise par K pour avoir la vitesse du moteur. Donc, la vitesse du moteur, c'est oméga roue divisé par K. Donc, je divise par 0,28 et je trouve 2826,53 tours par minute. Ça, je le divise par la résolution du moteur qu'on a calculée à la question numéro 1, tout au début. J'avais trouvé que quand on augmentait de 1 bit, on augmentait de 30 tours par minute. Donc, je divise V moteur par 30 et je trouve 94,21 en base décimale. J'arrondis à 94 et ça me donne 5E en exa. Vous devez donc fabriquer une trame qui a pour identifiant 3C1, qui a pour donnée 5E. Donc DLC égale à 1, RTR égale à 0. Voilà. Et il est 17h. Est-ce que... Non, je n'attaque pas cette partie-là, mais c'est exactement la même en fait. Donc je vais vous envoyer la correction. Là, la correction sera sur Moodle. C'est la même chose. Hein. Sauf qu'on fait trame de requête, trame de données. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous laisse travailler ça à la maison, dessiner les trames à la maison. S'il y a des soucis, je reprendrai ça, il n'y a pas de problème, hein. Je reprendrai ça, je ferai peut-être une vidéo YouTube hors live que je mettrai s'il y a vraiment des besoins. Mais bon, je pense que maintenant vous avez tous compris. La semaine prochaine, donc c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, bah, bosser ce TP-là pour la semaine prochaine, enfin, finir le TP-là, avec la correction que je vous donne, donc tracer les trames. Je vais vous envoyer le TD numéro 5. S'il vous plaît, vous commencerez à le bosser au moins les deux premières parties. Donc comme ça vous fera reprendre le cours d'aujourd'hui et puis envoyer, enfin, voir les registres qu'on n'a pas vus partie cours. Okay? Et la semaine prochaine, pendant les 2 heures, eh bien, on corrige le TD numéro 5 et je vous donne le TP dimanche soir pour que vous commenciez à le regarder. Je mets en place le Discord, etc. Je reviens vers vous là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment on s'organise pour le TP. Et puis, je crois que c'est jeudi après-midi. Eh bien, je viendrai sur le Discord et on discutera. Je discuterai avec chacun des groupes, etc. pour savoir comment avance le TP. Voilà. Donc on se retrouve mercredi. On fera aussi un live YouTube comme ça. Alors c'est compliqué et d'un autre côté j'ai l'impression que ça roule pas trop mal. Je pensais avoir beaucoup plus de problèmes. Bon, le gros problème c'est qu'il y a un énorme décalage et je vois vos questions 2 minutes après. Mais je vais essayer de régler ça, mais je crois qu'on ne peut pas régler ça. Néanmoins, on refera ça donc mercredi de 10 à 12. Et puis voilà. Ok. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.